Salut à tous, c'était ZB, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent illimité sur GTA en 1.20. Mais avant de commencer, si vous pouviez laisser un petit like, ça ferait vraiment plaisir pour cet énorme glitch d'argent qui vous permet aussi de bypass la limite des 45 minutes. On n'a pas besoin d'être 3, il faut juste être 2. Et donc voilà, c'est un glitch qui est très efficace et plutôt facile à faire. Alors ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement donc avoir deux garages au même endroit. Donc je vous conseille l'Eclipse Tower parce que voilà, c'est là où j'ai réussi le glitch, donc à mon avis c'est là où ça marche le mieux. Il faut un véhicule de Pegasus, comme vous voyez juste à gauche, la voiture à votre ami qu'il va vous dupliquer, donc vous donner. Et en fait, ce que votre ami va faire, c'est bloquer sa voiture contre le mur, comme dans la vidéo, bloquer la porte de la voiture avec le véhicule de Pegasus. Donc je vous conseille de prendre le journée, qui est le camping-car. Et ce qu'il faudra faire, ce sera bloquer donc la voiture de votre ami avec le camping-car. Mais la bloquer le plus loin possible de la porte du garage, comme ça quand vous allez rentrer dans la voiture de votre ami, ça va directement vous téléporter dedans et votre personnage va pas se tromper et rentrer dans le camping-car. Parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est assez chiant. Donc voilà, quand vous avez ça donc tout préparé, vous allez prendre une voiture de votre garage que vous vous en foutez complètement, que vous avez envie de perdre. Donc moi j'ai pris un rat loader, vous pouvez aussi prendre une Elegy ou un rebelle, ou n'importe quel véhicule que vous en battez les couilles. Bref, vous allez faire exactement comme moi dans la vidéo, vous allez vous mettre à la limite de rentrer dans votre garage. Votre ami va monter sur votre capot et il va verser un petit peu d'essence. En fait, ce qu'il faudra faire, donc va falloir avoir un bon timing à partir de maintenant. Vous allez dire à votre ami, donc en gros, de vous donner le signal quand il tire. Et quand en fait votre voiture va commencer à s'enflammer, là, à partir de là, vous allez compter 5 secondes ou 6 secondes. Et vous allez avancer, choisir un garage, et là normalement ça devrait pas vous faire rentrer dans le garage, mais vous devriez voir votre véhicule a été détruit. Donc là vous allez vite sortir du véhicule, marcher vers la voiture de votre ami, et c'est là que je vous ai dit que vous deviez mettre le camping-car un peu plus loin pour bien que votre personnage ne se trompe pas et choisisse bien la voiture. Vous cliquez sur triangle et là vous allez voir que vous allez téléporter dans la voiture, vous démarrez le contact, vous avancez un petit peu, vous allez voir que la map va clignoter plusieurs fois et vous allez être téléporté dans le garage que vous avez choisi, non pas avec la voiture que vous venez de perdre, mais avec la voiture de votre ami. Donc voilà, à partir de maintenant vous pouvez prendre la voiture, la sortir du garage. Donc comme vous allez voir, j'ai visé les deux plaques d'immatriculation pour faire voir que mon ami avait bien toujours sa voiture, qu'on n'avait pas triché quoi, c'est bien la voiture qui a été dupliquée. Et si vous voulez, vous pouvez aller la vendre au Los Santos Custom, vous recommencez le glitch, et dès que vous l'aurez refait une deuxième fois, vous pourrez revendre la voiture en illimité. Alors nous on l'a fait avec une adder parce qu'on savait pas trop avec quelle voiture la faire, on a pris la première voiture qui nous tombait sous la main dans nos garages. Mais je vous conseille de le faire avec une Panto, vous pourrez la revendre à plus de 200 000. Une coquette aussi, qui se revend assez cher. Ou sinon, vous pourrez utiliser une Illegi, ou aussi une Futo. Voilà, toutes ces voitures vont se revendre très cher avec ce glitch. Donc profitez-en, vous pouvez vous faire environ 200 000 toutes les 10 minutes. Parce que oui, ce glitch ne marche pas à tous les coups. Et voilà, si vous commencez à prendre la main et avoir le bon timing, tous les 2-3 essais, vous réussirez ce glitch. Donc vous pouvez vous faire énormément d'argent. En plus, il n'y a pas de limite. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Arranger et la chaîne The Blunt qui m'ont aidé à faire ce glitch. Leurs chaînes seront dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.